La prière procure la conscience des vraies valeurs humaines. J'allume cette chandelle pour la victoire de la lumière sur terre, que cette flamme inonde la terre d'une flamme violette de purification, de régénération, que cette flamme entoure toute la terre pour renouveler totalement chaque être humain, tandis que nous visualisons au-dessus de la terre la mère divine propageant des rayons d'illumination et de purification, nous prions. Ô mère divine, avocate des causes difficiles, mère si pure et si compatissante, Mère du divin amour et pleine de lumière divine, nous mettons entre vos mains si tendres les demandes suivantes. La cessation des mesures liberticides qui détruisent l'économie des nations. Que vos anges et archanges assistent tous ceux qui dénonce avec courage le reset mondial du contrôle des peuples. Que l'archange Michael et sa légion d'anges saisissent tous ceux qui propagent le désir de réaliser ce plan mondial de dégradation de l'humanité. Que l'archange dresse la croix divine du Christ au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, pour la restauration du règne des vraies valeurs humaines partout sur la terre. Et puisse le Christ, selon sa parole, revenir sur terre. Et au nom du Christ et par le pouvoir du Christ, nous demandons l'infinie protection et l'ultime victoire pour celui et tous ceux et celles qui combattent le mal, la dégénérescence et la déshumanisation. Nous demeurons les porteurs du flambeau des valeurs humaines, de la foi et de la victoire, de la lumière et du bien sur terre. Amen. Prière à la Mère du monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et pour toujours. Amen. Prière de Jésus, le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.